Tout nouveau flèche de ce mois de novembre, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Enseignement primaire, l'État fait appel aux instituteurs suppléants. Les enseignants remplaçants retenus par le ministère des enseignements maternels et primaires pour servir dans les écoles primaires publiques pour le compte de l'année scolaire 2020-2021 sont invités à une signature de contrat de travail. Selon un communiqué du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE urbain, Ahmed Bedji, cette mobilisation des instituteurs suppléants entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de pré-insertion dans l'enseignement. À cet effet, ils sont priés de se rapprocher des antennes départementales de l'ANPE de leur lieu d'exercice muni de plusieurs pièces. Un planning de signature de contrat aux bénéficiaires a été également établi en fonction de la circonscription scolaire de leur lieu d'exercice. Pour la réussite de cette opération dans l'ordre et la discipline, on appelle au sens de responsabilité des uns et des autres. Univers littéraire béninois à présent, Habib Dakoukan publie La compétence nuance et précision. Nouveau-né dans l'univers littéraire béninois, La compétence nuance et précision, c'est le nouvel ouvrage de l'écrivain béninois Habib Dakoukan. Son lancement officiel a eu lieu samedi 31 octobre 2020 à la librairie Notre-Dame de Cotonou. La cérémonie de lancement a connu la présence effective du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Pour l'auteur, la compétence n'est pas équivalente à la connaissance. La compétence résulte d'une combinaison de savoir, savoir-faire et savoir-être mobilisés pour agir de manière adaptée face à une situation professionnelle donnée et s'évalue dans le temps. Le livre présente donc à la fois un intérêt d'ordre personnel et professionnel. Cinéma. Pour finir, on teste la nouvelle série de Canal+. De nouveau sur Canal+, à partir du 2 novembre 2020, on teste, c'est la nouvelle série Canal+, originale, un nouveau genre, encore jamais réalisé et produit en Afrique. Cette 7e série de Canal+, originale, a été projetée en avant-première jeudi 29 octobre 2020 à Canal Olympia à Cotonou. La projection du premier épisode de Hantès a connu la présence d'éminentes personnalités du monde cinématographique, mais également du showbiz à l'image de l'artiste et chanteuse béninoise Zeynab. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine et excellent mois sur Culture Télévision.